Bien, salut à tous, c'est Seb, j'espère que vous allez bien. Ce matin, eh bien, on va faire un point sur le nouveau potentiel futur Mac Mini. Alors, est-ce que ce sera un Mac Mini Pro ? On ne sait pas. Est-ce que ce sera un Mac Mini X salade tomate oignon ? On ne sait pas. En tout cas, il y aura un nouveau Mac Mini qui remplacerait éventuellement le modèle Intel qui est toujours commercialisé à l'heure actuelle à côté du Mac Mini M1. Ce serait donc un modèle haut de gamme du Mac Mini avec la blinde de RAM et surtout la puce M1X qui est tout simplement une évolution de la puce M1 actuelle que propose Apple, donc avec notamment certainement plus de cœur et une fréquence plus élevée. Mais aujourd'hui, on va surtout parler de son design et de sa connectique puisqu'il y a des rumeurs qui vont bon train un peu de partout et il devrait y avoir un retour aux sources. Alors, on devrait apprendre avec des pincettes, ce sont des rumeurs évidemment. J'ai des images de synthèse. C'est un article du site Mac Génération, je vous le mettrai dans la description si je le retrouve évidemment. Un retour aux sources donc pour ce Mac Mini puisque on aura un châssis entièrement en aluminium recouvert d'une plaque de plexiglas sur le dessus, exactement comme les Mac Mini premiers du nom, mais ce serait surtout beaucoup plus fin que le Mac Mini actuel, tout simplement parce que la puce M1X, il n'y a plus besoin de turbine quasiment et la dissipation thermique peut se faire grâce au boîtier de l'appareil. Alors pendant que je suis en train de vous parler, il y a des images de synthèse qui sont en train de tourner juste à côté. Ces images de synthèse ont évidemment été récupérées sur le site de Mac Génération et ont été produites par John Prosser, on va dire comme ça, pour rendre à César ce qui est à César. Ce youtubeur avait prédit, à l'époque, il avait eu des informations sur les AirTags et l'iMac coloré. Il s'avère que ces informations étaient justes. Donc ce qu'il nous dit sur le Mac Mini, on a une tendance à le prendre au pied de la lettre. Je parle bien ce matin. Eh, t'as vu ça ? Oh, j'ai bien dormi. Donc, c'est un youtubeur et il affirme que ce nouveau potentiel futur pro Mac Mini super professionnel, t'as compris, serait équipé de 4 ports Thunderbolt USB 4, soit 2 de plus que le Mac Mini M1 actuel. Ça ferait du bien. 2 ports USB-A, des USB classiques, 1 port Ethernet, 1 port HDMI et la même prise d'alimentation magnétique que l'iMac 24 pouces qui vient d'être commercialisé. Et pour finir, eh bien, le futur Mac Mini M1X adopterait les mêmes patins allongés que le dernier iMac. Alors là, pour le coup, je sais pas trop où ils vont chercher ça, mais enfin, ils y seront. Alors évidemment, je vous fais pas de dessin, il n'y a pas de date de sortie du tout. On sait même pas d'ailleurs si ce futur Mac Mini va sortir. Peut-être qu'Apple va se dire, on garde le modèle Intel et puis un modèle M1, sachant que le modèle M1 est beaucoup moins cher que le modèle Intel, qui serait du coup un modèle Pro. Mais voilà, on n'en sait rien pour l'instant, il n'y a pas de date de sortie, il n'y a absolument rien, ce ne sont que des rumeurs. Voilà, vous savez tout. N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait, Facebook, Twitter et Instagram. Tout est dans la description juste en dessous. J'ai également une chaîne Twitch, je fais des lives, enfin j'essaye de faire des lives dans la mesure du possible à l'heure tous les dimanches à 18h quand j'y arrive évidemment. Hein. Et puis enfin, si c'est pas encore fait comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est 100% gratuit, vous cliquez sur s'abonner, vous activez la petite cloche pour recevoir les notifications quand je poste des vidéos comme ça, ou des petits posts, vous savez, pour des posts quoi, enfin des posts YouTube. Hein. Et puis c'est tout, voilà, prenez le bus parce qu'il y a un bus qui passe, c'était Seb, je vous souhaite de passer un bon week-end, à la semaine prochaine, dimanche 11h ici sur YouTube pour la vidéo enregistrée, ou tout à l'heure à 18h, et comme tous les dimanches à 18h, sur Twitch pour le live. Ciao, bassimère.